fears at the cold. Shalom, shalom, papa. Je n'ai jamais rendu témoignage, mais il faut que je le fasse. Je suis la retraite en ligne sur la sécurisation prophétique. Et hier, bon, je vis aux États-Unis. Il est 6 heures du matin. Je suis en train d'aller travailler. Hier, on a eu une tombée de neige incroyable. Environ 10 cm comme ça, hein, qui sont tombés. Et en route pour le travail, 6h40, je suis sur l'autoroute. Étant sur l'autoroute, vous savez combien on va vite en train d'aller joindre une autre autoroute à presque 100 km à l'heure. Et tout d'un coup, je vois la neige devant moi. Je vous parie que je vous assure que j'ai fait un tournant. J'étais en train d'écouter la première prédication que vous avez faite sur... c'est quoi la prophétisation? Et j'étais en fait en train d'écouter dans l'arrière-plan la chantait quel ami fidèle j'ai en Jésus-Christ. Et dès que je suis montée sur le deuxième autoroute, j'ai glissé. Je ne sais pas si vous suivez les films américains ou si vous avez déjà vécu en Occident. Vous voyez la scène comme à la télé. La voiture est partie. En parallèle, en perpendiculaire sur l'autoroute. Et il y avait des voitures qui venaient derrière moi. J'imaginais déjà la scène. On appelle ça T-bone, comme formé en T. Je voyais la voiture derrière moi, en train de me cogner. Gloire à Dieu, gloire. Il y avait un camion juste à côté de lui. Deux voitures, deux lignes. Gloire à Dieu, j'ai été épargnée. La voiture s'est arrêtée sur l'autoroute. Si vous regardez les films à la télé, vous savez exactement de quoi je parle. La voiture derrière moi s'est arrêtée. J'ai perdu le contrôle de ma voiture. J'ai fait le cercle, gauche-droite. Je suis revenue au milieu. Ces voitures se sont arrêtées. J'ai repris la route sans être cognée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.